et les Belges avec sympathie. Une simple boîte de biscuits que l'on partage sur le bord de la route, ce n'est pas grand-chose, mais la communion de sentiments est parfaite. Deux peuples amis se rencontrent. La route est longue, chaque kilomètre cependant rapproche les Belges de leur foyer. La fatigue se fait sentir, mais la joie chante en leur cœur. Ils oublient presque la boue qui alourdit leurs pas. Partout, la population française cherche à leur être utile. Ayant appris que les troupes doivent passer la rivière d'Yves, les Français offrent leurs bateaux et leurs barques pour construire un pont. Villers-sur-Mer fut la première ville de quelque importance libérée par les forces belges. La population de la petite ville, ayant hissé les drapeaux, fête l'événement comme il se doit.